Salut, salut, salut sur le Facebook. Vous savez, on partage, on partage, on partage, on partage, on partage. Salut sur le TikTok. Vous connaissez, tapoter, partager. Sur le TikTok, obligation, 15 partages par personne. 15 partages par personne sur le TikTok. On va toujours continuer à parler d'éveil. Hier, on a commencé. Aujourd'hui, on va commencer à parler d'éveil. On va commencer à parler de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Bon, je vous laisse le temps de partager. N'hésitez pas. Abonnez-vous massivement à la page de la Brigade des Patriotes. Abonnez-vous au groupe WhatsApp de la Brigade des Patriotes. N'hésitez pas, on sait comment on va bourrer ça. On partage, je vous laisse le temps de partager. Sur Facebook, nous aurons une heure de live. Une heure de live. Il faut que les lives soient précis, concis. Je vous ai dit, nous entrons dans le changement de mentalité. Nous entrons dans ce qu'on va appeler l'éveil de conscience. Quand on entre dans l'éveil de conscience, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous ceux qui vont vous parler de Paul Biya, on dégage. Tous ceux qui vont vous parler de Ngo, Paul Biya, Yop, Ayop, on dégage. On n'est pas là pour le Ayop, Ayop. On est là pour le Cameroun. On est là pour le Cameroun. On dénonce. On donne une certaine image. Et après, on avance. J'ai dit à mes frères hier, il y a beaucoup avec qui je suis vraiment entré en contact. J'ai dit à beaucoup de mes frères hier que le travail sera long. Le travail sera long. Vous avez utilisé une première méthode qui n'a pas porté ses fruits. Aujourd'hui, je pense que la première des choses qu'on devait faire, et que d'ailleurs que tous mes autres collègues patriotes, membres du changement, nous devons faire, c'est de ratisser. C'est d'entrer en campagne. Pour que tout le monde intègre le mouvement, un mouvement qui prône le changement. Le changement, c'est quoi? C'est l'éradication totale du nom Biya. Il ne faut pas qu'on se trompe. Le changement, c'est l'éradication totale du nom Biya et de la chapelle Biya. On ne peut pas dire qu'on veut le changement en disant que Paul Biya, Ayoub, Ayoub. On ne peut pas dire qu'on veut le changement en disant que Ayoub, Ayoub. Le cancer du changement s'appelle Biya. Et nous devons prouver au peuple camerounais et à la diaspora que nous sommes cette génération sacrifiée qui va vers le changement. C'est important. Ah oui. Je ne peux pas dire que je veux le changement si je suis du RDPC. Je ne peux pas dire que je veux le changement si je suis du RDPC. Ça ne sert à rien. Celui qui veut le changement au Cameroun combat le RDPC. Tu es obligé de combattre le RDPC et tout ce qui entoure le RDPC. Parce que le peuple souffre. Tu ne peux pas dire que tu veux le changement si tu ne combats pas la corruption. Combattre la corruption, c'est combattre pour le bien. Combattre la corruption, c'est combattre le RDPC. Le symbole de la corruption au Cameroun est incarné par le RDPC. Le seul parti politique où le Nutella vole, c'est un milliard.
Le parti de la manipulation. Donc, on entre dans le changement. Première des choses, nous devons faire une campagne de sensibilisation. Nous devons ramener. Nous ne sommes pas là pour dire, oh, Calibra fait ceci, oh, Max a fait ceci. Non. On est là pour ratisser large. On est là pour dire aux Camerounais qu'on a besoin de vous. On a besoin de votre matière grise. On a besoin de votre intellect pour que nous formons ce coup de poing qui va éradiquer ce système qui a été mis en place depuis des années. Je ne peux pas dire que je veux le changement et supporter un membre du gouvernement qui n'a rien fait. Je ne peux pas dire que je veux le changement quand je dis Paul Biya aime mieux le gouvernement qui fait le mauvais travail. Je ne peux pas prétendre que je veux le changement quand je suis acteur même de la corruption, étant ici en Bénin. Donc la première des choses que nous devons donc faire, c'est de ratisser large. Que tous les mouvements pour le changement, organisation, association, activistes, commencez à créer vos groupes. Commencez à réanimer la flamme que les Camerounais ont eue en 2018, une flamme qui a été créée par la basse. Commencez à ratisser large. Téléphone. Allô, oui, c'est comment, man? Je pense qu'on a besoin de toi. Multipliez les pages Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat. Multipliez ces pages. C'est important. On doit gangréner les réseaux sociaux. Pour gangréner les réseaux sociaux, on doit ratisser large. C'est en ratissant large que les gens sauront que nous sommes partout. Pour l'instant, l'objectif, c'est de ratisser large. Je suis activiste. Pourquoi je ne partage pas le live de Calibré? Je dois partager le live de Calibré. Pourquoi je ne partage pas le live de Max? Je dois partager le live de Max. Je dois partager son live. Pourquoi je ne partage pas le live des autres? Je ne peux pas me dire que je suis dans le changement en étant jaloux de mes collègues activistes. Pourquoi je vais accuser Calibri d'avoir pris l'argent tant que je n'ai pas vu Calibri avec cet argent-là? Pourquoi je vais accuser Max d'avoir pris l'argent tant que je n'ai pas vu Max avec cet argent-là? Pourquoi je vais accuser Max? Nous devons ratisser large. Nous devons entrer en campagne, comme ce que je suis en train de faire. Le premier mot, c'est sensibilisation. Rassemblement. Pour que le message puisse aller loin, il faut qu'on rassemble. Je ne peux pas rassembler si je suis dans la haine. Je ne peux pas rassembler si je suis jaloux de la visibilité de X ou de Y. Il faut que je rassemble. Parce que nous sommes là pour le peuple et non pour un homme. Nous sommes là pour le peuple. Notre parti politique s'appelle le Cameroun. Notre mission, c'est d'éradiquer le système. Calcul très simple. Pour éradiquer un système qui a été mis en place depuis longtemps, je dois changer de méthode. Je dois changer de méthode. Je vous ai dit ça l'autre jour. On a suivi Paul Biya depuis 5 ans. Ça a donné quoi? Rien. Pourquoi on ne peut pas changer de méthode? Nous sommes quand même intelligents. Si le piment n'a pas apporté le changement, utilisons le sucre.
Si le piment n'a pas apporté le changement, utilisons le sucre. Le sucre peut être plus efficace que le piment. Parce que le sucre peut provoquer le diabète. Le piment ne peut pas provoquer. Ratissons large. Mon frère, je te présente mes excuses. Le combat nous attend devant. Gars, laisse. Gars, tu sais qu'on m'a dit que non, laisse, allons. Dans le changement, on doit apprendre à se faire confiance. On doit apprendre à se faire confiance. Pourquoi je vais soupçonner Stéphane? Pourquoi je vais soupçonner Max? Pourquoi je vais soupçonner Calibré? Parce que j'ai entendu. Qu'est-ce qui ne te dit pas que celui qui vient de te dire ça travaille pour Bangui? Qu'est-ce qui ne te dit pas que celui qui te donne cette information travaille pour Ngongo? On t'a donné une information comme quoi Max a pris l'argent. Est-ce que c'est l'informateur de Bangui? Point d'interrogation. Est-ce que c'est l'informateur de Ngongo? Point d'interrogation. Pourquoi tu accuses Max? Tu l'as vu avec l'argent? Tu as vu la signature de Max quelque part? Tu as vu Max en vidéo prendre l'argent? Non, mais pourquoi tu l'accuses? Pourquoi tu accuses Calibri? Pourquoi tu accuses Stéphane? On travaille dans la confiance. Commençons d'abord par là. Je ne peux pas aller au changement si je ne peux pas dire bonjour à Calibré. Si je ne peux pas dire bonjour à Stéphane. Si je ne peux pas dire bonjour à X ou Y. Si je ne peux pas dire bonjour à un activiste. Qu'est-ce que je peux faire au changement? En laissant mon frère derrière? Parce que je pense que mon changement est meilleur que le sien? Nous voulons tous le changement. Tant que Paul Biya est au pouvoir, vous n'avez pas fait le changement. Ouais. Tant que Paul Biya est au pouvoir, vous n'avez pas fait le changement. Simple comme bonjour. L'énergie que je donne à accuser Calibri, je dois mettre cette énergie pour rassembler. On doit avoir ce qu'on appelle la force du nombre. La force du nombre. La force du nombre. Ils sont dans les panels tous les jours. Ils veulent le changement. Quand Amer Kamer monte, ceux-là même qui veulent le changement commencent d'abord à insulter Amer Kamer. Mais ils veulent le changement. Mais ils insultent Amer Kamer. Ils veulent le changement. Go, la basse allemande, c'est la meilleure basse. Ça dépasse la basse belge, ça dépasse la basse ici. Pour changer, je dois appeler mon frère. Allons au changement. Simple comme bonjour. Rejoignez la plupart des groupes WhatsApp. Créez des groupes Facebook, TikTok, Instagram. Parce que nous tapons dans ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Ne soyez pas prévisible. Ne soyez pas prévisible. Pourquoi vous êtes prévisible? Paul Biya, vous courez au George V. Mais ils savent que vous allez venir au George V. Vous allez encore là-bas, pourquoi? Parce que vous voulez les vues? Parce que vous voulez avoir 2000 vues? Non, soyez plus efficace. C'est pas au gouvernement de nous donner notre emploi du temps. C'est nous d'imposer l'emploi du temps au gouvernement. On doit être irrépérable, illisible. On doit être comme des fantômes. Quand ils savent qu'on est là, c'est trop tard. Quand ils savent qu'on est là, c'est trop tard. C'est important. Travaillons avec le respect de tout le monde. Nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais nous sommes obligés de nous respecter. Nous sommes obligés de nous respecter. Tu n'es pas obligé de m'aimer, mais toi et moi, on a l'obligation de regarder vers le changement. Quand tu as insulté Amer Kamer, à la fin, tu auras gagné quoi?
À la fin, tu auras gagné quoi? Est-ce qu'il y a mes modos qui sont en place? MP3, je pense que tu es modo chez moi. MP3, écris pour voir si tu es modo. Que tous mes modos mettent. Mais MP3, c'est comment tu n'étais pas modo depuis? Que tous mes modos mettent OK. S'il y a mes modos en place, mettez OK. Attendez d'abord. Ok. Ok, c'est bon. Oui, bonsoir, Tchafak. Bon, bonjour, je ne vais pas trop répondre aux commentaires parce que je suis un peu distant des trois téléphones. Ok, on continue. Si on veut accéder au changement, on doit être unis. Unis par le changement. Unis par le changement. Si je dis que je veux ce changement, je dois respecter mon frère. Je dois le respecter. L'efficacité. L'efficacité. Créer le maximum de groupes. Le maximum de comptes. Créer le maximum de canaux pour la visibilité. C'est important. Quand on entre dans le changement, la seule arme que nous avons et qui est l'arme la plus terrifiante pour le gouvernement camerounais, ce sont les réseaux sociaux. Nous avons une avance dans les réseaux sociaux. Une avance qu'ils n'ont pas. Une avance qu'ils n'ont pas. On doit être en permanence dans les réseaux sociaux H24. On ouvre tel live, on parle du changement. 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 On doit parler du changement every day. Tout le temps. Tous les jours, toutes les heures. On doit parler du changement, du changement, du changement, du changement. On doit le parler avec le miel dans la bouche. Pas avec des paroles vulgaires. Avec le miel dans la bouche. Je veux être efficace, je dois rassembler. Je veux être efficace, je rassemble, je percute, je rassemble, je percute. Oui. Le tendon d'Achille de ce gouvernement que nous voulons éradiquer, ce sont les réseaux sociaux. Nous avons une avance. Nous savons comment les réseaux sociaux marchent. Nous sommes des fantômes dans les réseaux sociaux. Ne comptez pas sur les gens. Comptez sur vous-même. Ne comptez pas sur les gens. Comptez sur vous-même. Tu entres dans un panel. Arrête d'insulter ton frère. Parce qu'il est bête. Parce qu'il est ignorant. Aide-le à acquérir la science infuse. Aide-le à renforcer son cerveau. Ne l'insulte pas. Donne-lui l'information qu'il faut pour qu'il aille faire ta guerre ailleurs où tu ne seras pas. Tu es activiste. Tu veux le changement. Quand tu montes dans un panel, ouvre-toi à ce changement. Le plus important, c'est que Bia doit disparaître. C'est ça le plus important. Ce n'est pas en insultant. En vous insultant, Ngo, tel a pris l'argent, tel a pris l'argent. On donne l'argent là. J'ai déjà vu, on a donné l'argent.
Réfléchissez deux secondes. On peut accéder au changement si et seulement si on a du respect. On peut accéder au changement si et seulement si le respect qu'on impose, on le suit. Un gars du RDPC n'est pas mon ami. Tu croises un gars du RDPC dans le panel, tu le descends. Qu'est-ce que vous foutez avec les gars du RDPC dans vos panels? Quelqu'un qui va me parler de Paul Biya, tu le descends. Quelqu'un parle de Paul Biya dans les écrits, vous bloquez automatiquement. Des réseaux sociaux, c'est notre zone. C'est notre game. On doit commencer par éradiquer le nom de Paul Biya dans tous les réseaux sociaux. On commence par là. Vous faites un commentaire, quelqu'un vient avec le nom de Paul Biya, vous le bloquez. Soyez percutant. Dans les commentaires, vos modos ont pour rôle de bloquer tout ce qui est RDPC, tout ce qui est Biya, vous bloquez. Quelqu'un vient avec une phrase que non, ce n'est pas Paul Biya, le problème c'est le gouvernement, vous bloquez. C'est simple comme bonjour. On n'est pas en train de blaguer avec eux. On ne blague pas avec eux. Si vous avez des profils, et là je viens, pour ceux qui ont déjà des profils, prenez des faux profils. Je vous le conseille. Pour tous ceux qui sont sur TikTok, prenez des faux profils. Dans ces faux profils que vous allez prendre, ne prenez pas d'amis. Ne prenez pas d'amis. Moi, j'ai 17 faux profils TikTok. 17 faux profils. Pour vous dire que tous ceux qui veulent le changement doivent avoir minimum chacun 5 faux profils. C'est important. La guerre, ça va se passer dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on doit éradiquer le nom de Paul Biya de la manière la plus brutale. Dans les panels où nous sommes, rien qu'écrit Biya est une tentative de blocage. On ne veut pas savoir s'il existe ou pas. On ne veut pas savoir. Il faudra que quand ces gens du gouvernement montent dans nos profils, qu'ils n'aiment même pas, même le point, ils ne peuvent pas mettre. Dans les réseaux sociaux, nous devons dicter notre loi. N'ayez pas peur d'entrer avec vos deux faux profils dans un même live. Vous observez. Nos panels doivent être le sanctuaire des biaïstes. Pour ne pas dire le cimetière des biaïstes. Le cimetière des gens du gouvernement. Tout le monde est une cible potentielle. À partir du moment où on prononce le nom de Biya, il devient un ennemi automatique. Est-ce qu'il y a mes modos qui sont là? Bloquez-moi TikTok. Bloquez-moi TikTok, c'est le risque. Attends, je vais le faire moi-même. Qu'est-ce qu'il reste devant moi? Bloqué, moi j'étais mal avant, voilà, tact. Attends, est-ce que mes motos sont même là? Attends, ils sont... Qui je peux mettre comme... Bon, MP3, tu es là. Attendez, je vais enlever... Attendez, MP3, je vais te mettre au moto, j'enlève une personne. Attendez, sur ceux qui sont sur Facebook, pendant ce temps, partagez sur Facebook. Je suis en train de faire une manipulation. Mmh.
Configuration, modérateur. Tac. Supprimer modo. Voilà. Mais attends un peu. Princess of December, un modo aussi. Mais pourquoi quand je dis, mais pour, princesse, pourquoi quand je demande qu'il y a si un modo qui est là, pourquoi tu n'écris pas? Je suis en train de voir que tu es connecté. Pourquoi tu n'écris pas Princess of December? Pourquoi tu n'écris pas? Donc quand je demande de bloquer, tu me bloques les gens. Quand je demande qu'il y a si un modo qui est là, écris OK. C'est pas à moi de faire le travail. Je suis en train de chercher les modos, pourtant qu'il y a un modo qui est là. Si tu ne peux pas bloquer, tu me dis que tu ne veux pas bloquer, je mets quelqu'un d'autre. Amen, ne me bloque pas les gens. Amen, ne bloque pas les gens. Princesse, oh, bloque-moi User 70 là. Voilà. On tapote, on partage. On tapote, on partage. On commence à partager. Ok, là c'est bon. On tapote, on tapote, on met à 20K de tapotage. On met à 20K de tapotage. Et pour tous ceux qui sont sur Facebook, on partage, on partage, on partage. On met à 20K de tapotage. On met à 20K de tapotage. On commence, on est déjà à 1K. Quand vous connectez, vous tapotez, vous partagez. Tapotez, partagez. Ça dit que vous partagez à 15 personnes pour tous ceux qui sont sur TikTok. Une fois que vous avez tapoté votre barre, vous descendez, vous mettez partagez, 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 partagez. Voilà. Vous tapotez, vous partagez, vous tapotez, vous partagez. Voilà. On a combien ça avance, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on avance, on tapote, on avance, on tapote, on avance. Ok, on continue. Je disais donc ceci. Utilisons les méthodes les plus simples. Les méthodes les plus simples sont les plus efficaces. Sont les méthodes les plus efficaces. À tous ceux qui veulent le changement, à tous les activistes, créez chacun 5 comptes. Créez chacun 5 comptes. Attends un peu trop. Attends. Un peu trop. Pourquoi ton tour ne prend pas? Bon, MP3, tu me bloques tout ce que je te demande de me bloquer là, s'il te plaît. Bon. Je disais ceci. Tout le monde doit avoir minimum. Attends, je vais mettre ça de l'autre côté. Attends. Tout le monde, vous devez avoir minimum 5 faux profils TikTok. Vous devez avoir 5 faux profils TikTok. 2 faux profils Facebook.
relayer les informations de tous les activistes. À tous les activistes, créer des groupes de 10, pas plus. Créer des groupes de 10 personnes, pas plus. Quelqu'un ne doit pas se retrouver dans deux groupes. Quelqu'un ne doit pas se retrouver dans deux groupes. Ne faites pas des groupes où ça va devenir des forums de Congossa. On appelle ça des groupes en veille. Ce sont des groupes en veille. On ne divulgue que les informations à l'intérieur, pas de commentaires. À tous les activistes, si vous avez 100 personnes, ça fait 10 groupes WhatsApp de 10 personnes. Ça fait 10 groupes WhatsApp de 10 personnes. À tous les activistes, je vous répète, ne faites pas des groupes WhatsApp où il y a 100, 200, 300 personnes. Faites des groupes WhatsApp de 10 personnes. Pas de familiarité dans les groupes WhatsApp. Pas de commentaires dans des groupes WhatsApp. C'est important. Pas de familiarité dans les groupes WhatsApp. Pas de commentaires dans les groupes WhatsApp. Chaque activiste doit avoir minimum 5 faux profils TikTok. Moi, j'ai 17 faux profils TikTok. J'ai 17 comptes TikTok qui peuvent prendre le relais. L'objectif, ce n'est pas 2025. L'objectif, c'est le changement. L'objectif, c'est le changement. Je veux le changement, je combats pour le bien. Je veux le changement, je dois éradiquer Paul Biya. Je veux le changement, Paul Biya n'est pas mon ami. Aucun membre du gouvernement n'est mon ami. Mon ami, c'est le peuple. Je ne peux pas dire que je veux le changement quand je dis que Paul Biya est bien. Je ne peux pas. Donc, tous les activistes doivent créer des groupes WhatsApp de 10 personnes où ils sont l'administrateur principal. L'administrateur principal. Les informations doivent fuser comme il n'est pas permis. Rentrons à la base. Commençons la structuration à la base. Les groupes WhatsApp de 200, 300 personnes, 50 personnes, ce sont des groupes qui sont remplis par les gens du système. Ce sont des groupes qui sont remplis par les gens du système. Aucun membre activiste ne doit savoir le nombre de groupes que vous avez. Moi, j'ai une tonne de groupes. Je vais vous montrer. Voilà mes groupes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Voir mes groupes. Rien que les groupes WhatsApp divisés en groupes de 10-10. Le combat le plus important n'est pas visuel. Le combat le plus important, c'est la structuration. C'est un combat très important. Il faut être vraiment précis. Après la structuration, il faut maintenant qu'on amène tout le monde à converger vers le changement. Il faut que tout le monde converge vers le changement. À tous mes modos qui sont là, chaque fois qu'on parle du changement, bloquez-moi tous ceux qui sont pour Paul Biya. C'est-à-dire que quelqu'un entre seulement dans mon live avec la photo de Paul Biya, vous le bloquez systématiquement. N'attendez même pas qu'il écrive. Vous le bloquez systématiquement. À partir du moment où je m'épingle, à partir du moment où vous voyez le mot changement, quelqu'un qui était avec nous dans les autres discussions, il entre poser un seul commentaire, vous le bloquez.
un seul commentaire, vous le bloquez. Parce que là, on ne blague pas. Là, on ne blague pas. Là, nous sommes vrais. Vous voyez quelqu'un passer seulement avec le socle du RDPC. Vous bloquez. Ne cherchez pas à savoir. Si vous avez vu quelqu'un défendre le RDPC dans un autre panel, une fois qu'il entre ici, vous bloquez directement. On commence par la base, l'éradication de BIA dans les réseaux sociaux. C'est important. C'est important. C'est notre territoire. Et on l'a de mettre à mal. Deuxième chose. Dans vos groupes WhatsApp, interdisez tout commentaire. Dans vos groupes WhatsApp, interdisez tout commentaire. Ce n'est pas un groupe de rencontre. Ce n'est pas un groupe de rencontre. C'est important. Les activistes doivent faire des groupes de 10 personnes. Ne mettez pas tout le monde dans le même groupe. Vous allez payer le prix fort. Vous allez payer le prix fort. Deuxième des choses, quand les activistes sont en live, quelqu'un qui écrit Ayo Paul Biya, vous bloquez. Quelqu'un entre avec le nom de Paul Biya, vous bloquez. Quelqu'un entre avec la photo de Paul Biya, vous bloquez. Bloquez tout ce qui est Paul Biya, LDPC. Vous bloquez tout. Bonsoir, coach. Vous bloquez tout. C'est comme ça que ça commence. Ne nous donnons pas l'occasion d'entrer dans nos lives qu'on parle du changement. Ne leur donnons pas l'occasion de mettre même le simple point dans un live. Ça, c'est la première phase. On rassemble, on implante. On rassemble, on implante. Il nous faut notre base d'abord. On va aller à notre rythme. Bonsoir, coach. Dans notre base. Dans notre base. Une seule chose est de rigueur. Le respect. On ne peut pas accéder au changement sans passer par le respect. Je suis le gardien de mon frère. Je respecte mon frère. Ce n'est pas parce que les gars de la DGRE, les gars du service de renseignement vont venir nous dire que oh, Max a pris l'argent. On commence à insulter Max sans preuve. Parce qu'il y a des infiltrés. Il y a des infiltrés. Le seul truc qui vous sauvera, c'est le respect. C'est le respect. Il ne peut pas avoir du changement si on ne se respecte pas nous-mêmes. Il ne peut pas avoir de changement si on est incapable de nous rassembler dans la confiance. Il ne peut pas avoir de changement si je ne respecte pas le travail de l'autre. Je dois respecter le travail de l'autre. C'est important. C'est très important. Nous ne sommes plus. Le changement a évolué. Nous rentrons à la base, là où c'est compliqué, là où c'est difficile. C'est là-bas où nous partons d'abord. Nous allons chercher ce qui va faire notre essence. Nous allons rassembler. Nous allons draguer. Nous allons inviter les gens à nous rejoindre. Nous ne forçons pas les gens à nous rejoindre. Nous invitons les gens à nous rejoindre. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Les deux choses n'ont rien à voir. MP3, bloque-moi. Merci MP3, tu connais le travail. Merci MP3, je voulais garder, tu dis de me le bloquer. Merci MP3.
Tous ceux qui écrivent RDPC sont bloqués automatiquement. Bon, pour tous ceux qui sont sur Facebook, je vous conseille de descendre. Bangaman, c'est comment? Je suis sur TikTok en même temps. Donc, Bangaman, je vais couper ici sur Facebook. Donc, je vais orienter tout le monde sur TikTok. Donc, tous ceux qui sont sur Facebook, rejoignez-moi sur TikTok. N'oubliez pas de vous abonner sur les pages de Bangaman. C'est aussi un activiste. Merci la famille pour tous ceux qui sont sur